bonjour tout le monde. Bienvenue dans ma cuisine pour un live spécial B-Save. On va faire deux recettes ensemble ce matin à la fraîche parce qu'il va faire très chaud, donc je vous attends. J'ai prévu deux recettes sympas, deux saisons, un taboulé de quinoa, voilà, ça change un petit peu du taboulé classique à base de semoule. Et on va faire aussi des brochettes de melon au basilic et au pinot des Charentes. Donc ça, c'est la petite touche de l'été. Hein, voilà, donc j'avais envie de vous faire découvrir une petite recette originale. Allez, alors faites-moi des petits coucous pour voir qui c'est qui est là. Dites-moi, voilà, dites-moi bonjour, je vous fais des bonjour en retour. Voilà, c'est toujours sympa de vous saluer en tout cas. Alors j'espère que je suis bien connectée, c'est surtout ça. Donc voilà, ça va être des recettes quand même rapides, hein, qui ne nécessitent pas de cuisson. Et en ce moment, on en a bien besoin, du coup, voilà. Ah Lucille, coucou, pendant ta pause café. Mais écoute, bon café alors. Bon café, bon café. Donc, ben voilà, on va commencer. On va démarrer par les billes de melon. Alors je vais attaquer comme ça ce... Les retardataires qui voulaient voir mon live, du coup, prendront le temps d'arriver. Donc, je vais prendre un melon, je vais le couper en deux. Et je vais faire des petites billes. Enfin, des petites. Vous les faites en fonction de l'appareil à billes que vous avez, j'allais dire. Voilà, donc je vais enlever des graines. Et donc, on va utiliser B-Save aujourd'hui. C'est le sujet du jour. On va utiliser le B-Save puisque vous savez que c'est un appareil que j'utilise depuis longtemps, hein, depuis plus de 7 ans maintenant, au quotidien. Et il m'aide bien pour préparer pas mal de choses, notamment les marinades. C'est vraiment super, donc je vais vous en reparler. Alors du coup, j'étais partie voilà, pour faire des billes. Donc directement dans mon plat. Donc on va utiliser le récipient, hein, 1,3 litre. Voilà, donc vous avez des petits appareils comme ça, des petits ustensiles à faire des billes, donc vous prenez. Si vous n'avez pas, vous pouvez faire des cubes, hein, c'est pas grave, on peut faire des cubes. Là, l'idée, c'est d'avoir des belles billes pour faire ensuite des brochettes. Alors, je sais qu'il y en a des plus ou moins grosses, donc en fonction de vous. Il est super juteux. Alors, c'est vraiment là, l'année des melons, là, ils sont juteux et sucrés. Donc, vous faites des billes en fonction, voilà, du nombre d'invités. Hop là! Il est tellement juteux que j'arrive pas à le tenir. Du nombre de personnes que vous avez. Je vais le poser, ça sera peut-être plus facile. Voilà. Et je m'en mets partout. Il est très très juteux. Donc du coup, le jus va être sympa de l'utiliser. Ça va être bien d'avoir du jus parce que ça va bien mariner, du coup. Le jus du melon, voilà. Alors, quels sont les avantages de la marinade, du coup, avec B-Save? Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. B-Save, du coup, le fait d'enlever l'air des récipients, on va faire mariner plus rapidement. Hein, donc ça, c'est vraiment hyper agréable de gagner du temps. Voilà. Donc, je fais mes petites billes. Alors, je vais en faire que sur un demi-melon parce que là, c'est pour vraiment un petit apéro. Et puis, je ne vais pas vous, voilà, vous faire passer du temps à regarder mes billes. Je vais vous montrer juste... Comment faire des billes si vous ne le savez pas. Voilà. Alors, ça peut être très sympa aussi cette recette. Hein, je dis à l'apéro, mais ça peut être aussi très sympa sur une salade. Hein, donc, on peut le servir sur une salade, du coup, le soir. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'original. Allez, et je mets le jus, vous voyez, hyper juteux du melon. Voilà. Alors, ensuite, du coup, bonjour Martine. Ah ben super Lucie, tu me diras, voilà, hein, si ça te plaît. Des melons, on en a toujours au frigo en ce moment, donc bonjour Martine. J'ai commencé un petit peu, hein, j'ai anticipé le temps que voilà, vous arriviez. Donc mes petites billes de melon sont dans le plat B-Save 1,3 litre. Ensuite, Pinot des Charentes, vous pouvez prendre aussi, c'est très bon. Alors, Pinot des Charentes, tout le monde le connaît. Du muscat de Rivesaltes, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un vin sucré. Il faut qu'il y ait un vin sucré. Hein, donc, muscat de Rivesaltes, voilà, Pinot des Charentes. Je ne sais pas si vous avez des autres idées. Voilà, bon, de bon matin, c'est pas... Hein. Donc, vous arrosez
Moi, j'ai mis un petit melon. Hein. Non, je ne mets pas la quantité que je vous ai donnée, mais si vous mettez un melon entier, vous mettrez plus. De Pinot des Charentes, j'ai mis le jus du melon. Voilà. Du vin de noix aussi. Je ne sais pas si vous connaissez, mais on peut tout à fait... chez moi, ça se fait. Mettre du vin de noix. Donc, tous les vins, du coup, hein, sucrés... Hein, vont bien, tous les vins sucrés vont bien dans cette recette, donc à vous de voir en fonction de vos goûts aussi. On va mettre du basilic, alors ça c'est la petite touche intéressante de cette recette. Donc vous prenez un petit bouquet de basilic, vous le hachez, parce que le basilic ça va aussi très bien avec le melon. Donc vous le hachez au petit, là je l'ai mis dans le petit robot... Le petit hachoir manuel, voilà, qui va disparaître, hein, vous l'avez vu, passer, il disparaît du coup au prochain catalogue. Bon, si vous ne l'avez pas encore, profitez-en. Voilà, allez. Donc vous hachez grossièrement. Alors si vous n'êtes pas fan du basilic, bien sûr, on peut remplacer par de la menthe, hein, ça c'est possible, voilà. Et je le mets du coup... Là, je prends la petite spatule. La petite spatule du coup double en bout, le côté très fin est parfait. Hein, pour aller chercher justement, le petit côté est parfait pour aller chercher tout ce qu'on a dedans. Ça sent très bon, je vous dis pas. Hein. Voilà. On va laisser mariner hein, tranquillement. Donc je vais mettre sous vide. Voilà, je ne mets pas de sel de poivre, je le fais de nature, hein. Voilà, je laisse mariner sous vide, donc bien sûr je vais utiliser mon appareil, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'appareil demi sous vide, c'est le Bisave, c'est la pompe du coup de chez Guidemar, hein, qui est branchée électriquement et qui permet de mettre sous vide, voilà, dans des récipients en verre. Donc là, je pense que vous êtes équipés, Martine et Lucine, je ne vous en parle pas, vous êtes des adeptes, hein. Mais voilà, c'est vraiment l'appareil qui est génial, qui permet de mettre sous vide et d'accélérer les marinades. Donc du coup, ça accélère les marinades, mais aussi ça va être un exhausteur de goût. C'est-à-dire qu'on va les goûts vont rentrer à l'intérieur des aliments et on va avoir vraiment des saveurs qui sont décuplées. Voilà, donc là mon melon, il est dans sa marinade, dans le jus du melon, dans le Pinot des Charentes et dans le basilic. Je vais mettre au frais du coup, voilà. En général, c'est 20 minutes, 30 minutes. Hein, voilà, là, ça sera pour le repas de midi. Mais du coup, c'est pas plus long que ça. Hein, 20 minutes, ça suffit. Voilà. Donc, au frais. Donc, vous m'en direz des nouvelles si vous faites la recette, en tout cas. Hein, c'est original, voilà. Oui, merci, Lucide. Mais pour les brochettes aussi, voilà. Et ben, il fait tellement de choses. Hein. Alors, je sais pas si vous avez vu passer ma recette de poulpe marinée. Si vous êtes fan de poulpe, enfin en tout cas moi c'est quelque chose que j'adore, je vous la recommande parce qu'elle est vraiment délicieuse, c'est vraiment un délice. Hein. Il faut passer le cap de la poulpe en fait, hein, voilà, de savoir un peu la préparer. Mais maintenant on en trouve des toutes prêtes, hein, sous vide, donc vous pouvez aussi faire ça avec ça. Et c'est très bon à l'apéro, hein, voilà, tentez-le si vous voulez. Allez, on va passer au taboulé de quinoa. Alors, une petite recette originale, du coup, qui change, je disais, de la recette traditionnelle à base de semoule. Hein. Alors, le quinoa, il est cuit. Donc, moi, j'ai fait du quinoa cuit, que j'ai bien fait goûter. Hein. Voilà, moi, je suis fan de quinoa. Bon, mais l'intérêt, c'est que c'est aussi sans gluten. Donc, je l'ai fait cuire. Je l'ai fait refroidir. Ne le mettez pas chaud, hein, parce que sinon... Si vous le mettez trop chaud, les légumes, ils vont cuire dedans. Donc voilà, faites-le bien cuire avant, faites-le bien égoutter. Voilà, là, il est bien sec. Vous voyez, hop. Moi, j'en fais toujours plus, comme ça, j'en garde sous Bisave. Et c'est ma petite base aussi pour plein de choses de quinoa. J'adore, voilà. Donc là, mon quinoa est prêt. Après, on va utiliser le Tornado. Le Tornado, hein, c'est le petit robot manuel que j'adore aussi. J'utilise quasiment au quotidien, voilà, là c'est vrai que je l'utilise beaucoup parce que j'ai plein de légumes à utiliser, c'est tellement rapide. Hier je vous ai mis une recette de pâte bolognaise végétarienne, si vous voulez voir aussi sur le club. Alors je vais mettre ma petite lame du coup
Au fond, voilà, c'est une petite lame qui s'enlève, hein, qui n'est pas, on n'est pas obligé de la mettre, on l'enlève parce que du coup, elle permet surtout d'aller chercher les herbes, les aliments qui vont se coincer au fond. Voilà, donc ça, c'est important pour la mettre aujourd'hui parce qu'on va utiliser la menthe, le persil, donc voilà, donc c'est la petite lame qui se met au fond. Et on va faire le taboulé du coup dans le tornado. Donc c'est super rapide, vous allez voir. On va prendre du coup un concombre. Voilà, concombre du jardin. C'est la folie cette année. On fait des cures de concombre chez moi. Je ne le pèle pas tout à fait, il est bio, hein, donc j'enlève juste un petit peu de vert. Parce que les vitamines elles sont dans la peau, donc il ne faut pas tout enlever. On fait des tzatziki, on fait plein de choses avec. Voilà, on se régale. Et puis c'est frais, ça. Il y a beaucoup d'eau dedans quand il fait chaud. Voilà, c'est vrai que c'est un des légumes fétiches de l'été. Est-ce que ça vous tente? Est-ce que vous avez déjà fait du coup, Martine et Lucie, le quinoa, le taboulé de quinoa? Dites-moi, est-ce que ça vous parle? Donc je vais le couper grossièrement, voilà, comme ceci. L'avantage du bistec, c'est qu'on coupe grossièrement ses légumes et ça se fait tout seul, hein. Voilà. On le met dans le petit robot, comme ceci, on met le capuchon et on fait ça. Plus ou moins gros en fonction de la mâche qu'on a envie d'avoir, vous voyez? Ah mais Martine, c'est l'occasion. Voilà, allez, c'est l'occasion de tester une nouveauté. Voilà, moi j'aime bien les petits bouts, hein, vous faites en fonction de vos envies. Hein, voilà, et je vais vous montrer, voilà, je vous ai montré juste une coupe d'un légume. Et maintenant, je vais vous montrer qu'on peut faire un taboulé express. On va tout mettre dedans. Donc là, hop, moi c'est mon chouchou pour ça, le tornado, c'est qu'on met tout dedans. Et c'est vraiment rapide. Là, je prends mes petits oignons frais du jardin. Alors, ils sont pas très gros, hein, avec la chaleur. Cette année, ils n'ont pas poussé beaucoup. Ils ont eu du mal. Ils ont eu du mal à pousser. Bon, pourtant, moi, j'ai la chance d'avoir un puits, donc j'arrose. Mais ils ont eu du mal à pousser, donc on fait avec. Alors. Oui, alors j'ai mon chat qui arrive. Je reste en bas. Je vais prendre un petit peu de poivron. La moitié. Voilà. On les pépine. Alors, vous pouvez le peler hein, ou pas. Ça, c'est en fonction de vous aussi, si vous le supportez ou pas. Hein, mais le poivron peut se peler. Pareil, je le coupe grossièrement. Vous voyez, des gros morceaux. Enfin, des gros morceaux. Il faut que quand même on puisse qu'on puisse quand même le mixer. Hein, donc, pas gros non plus, mais voilà. Moyen. Voilà. Ensuite, du coup, je vais y mettre le persil. Alors, des petites feuilles de persil. Hop. Donc, persil menthe, hein, ça c'est la base du taboulé. En principe, dans le vrai taboulé libanais, il y a plus de persil que de menthe. Donc là, le persil, c'est du persil que je viens d'acheter au marché parce que je n'ai pas dans le potager, il n'a pas pris. Il est tout frais, donc je vais mettre beaucoup de persil parce que c'est très riche en vitamines, c'est super bon. Moi j'adore. Voilà, donc vous mettez du persil, de la menthe. Si vous n'avez pas du frais, vous pouvez mettre du surgelé aussi, ça fonctionne bien. Voilà. La menthe, alors ça c'est la menthe du jardin. C'est la folie. Donc des petites feuilles de menthe. Hop. Voilà. J'ai aussi des fleurs, vous voyez, elles sont en train de faire des fleurs, donc c'est qu'elle arrive au bout. Bon, ça sent bon. C'est dommage que vous ne soyez pas là, hein, du coup. Ah, Martine, je vois que vous avez des prévisions de recettes. Ok. Vous avez vu, je suis à fond, hein. Je mets plein de recettes sur le club en ce moment. J'en profite l'été. J'avais des recettes en pagaille à mettre, donc je mets des recettes. Allez, la menthe. Donc, on met tout dans le tornado. Voilà, c'est vraiment pratique. Vous allez voir. Hop.
Ok, ensuite on va mettre de la tomate. Donc on va prendre au choix. Alors moi j'ai des tomates du jardin. Hein, j'ai des super tomates, vous voyez, elles viennent d'arriver. Elles ont mis du temps, elles ont été stoppées par la canicule. Mais là, elles repoussent, donc c'est top. Donc je les coupe grossièrement. Je veux un peu de jus. Hein, là, la tomate, ne prenez pas des tomates trop. Voyez, des tomates pas mûres, quoi. Il faut quand même des tomates, voilà, qui se tiennent, qui aient du goût. Hein. Bon, si vous avez la chance d'acheter des tomates au marché ou d'en avoir dans votre potager, profitez-en. C'est l'occasion. Allez, là, je l'ai rempli. Il est bien rempli. On va mettre de l'huile d'olive. On y va, parce qu'un taboulé sans huile d'olive, c'est pas un taboulé. Ah ben alors, mince, j'avais pas vu que j'avais plus de l'huile. On va saler. Hop. On va mettre un petit peu de vinaigre. Parce que moi, j'aime bien quand il est vinaigré. Et je vais chercher juste un petit peu d'huile d'olive. Hop, quand il n'y en a plus, il y en a encore. L'huile d'olive, c'est la vie. Voilà. Alors, je vais faire un petit premier jet. Donc, on y va, je pose le couvercle. Donc ça c'est normal, il y a du jus, donc ça va vraiment imprégner le quinoa, c'est ce qu'on veut. Hein. Je vais refaire un petit tour. Voilà. Je vais ajouter mon jus de citron aussi, puisque dans le taboulé il y a du jus de citron. Voilà, alors vous pouvez le mettre dedans ou vous pouvez le mettre... Non, je fais une bêtise, c'est pas dans ce sens-là. C'est dans ce sens, voilà. Vous voyez, le presse-citron aussi, il s'en va. Moi, je l'adore, c'est vraiment un super outil. Il est facile à utiliser. Regardez, il m'a pressé vraiment tout le citron. Il n'y en a plus. Hop, on le met la chair contre les trous. Voilà. Et on y va. Voilà, ça c'est top. Je redonne un petit coup. Tout va se mélanger. Toutes les saveurs vont se mélanger. Ça va être super. Donc je verse sur le reste. Voilà. Déjà, les couleurs sont extra. Hein. Le poivron, la tomate. Voilà, alors là, du coup, ça ne va pas gonfler. Hein. Le quinoa, il est déjà cuit. Ça va s'imprégner. Hein. On va le faire mariner, comme tout à l'heure avec le melon. On va faire mariner le quinoa avec la tomate, le persil, la menthe, hein, tout ça. Mais il va quand même, ça me gonfle un tout petit peu, hein. Il va prendre un petit peu de jus. Quelques petits raisins, j'avais oublié. Moi j'adore les raisins, le côté sucré. Hein. C'est super bon. Et on va mettre sous vide. Alors c'est un peu le bazar. On va mettre sous vide, pareil. Voilà, donc là pour qu'il soit bien froid, bien frais pour midi. Enfin midi. 13h, hein. Et on mange plus tard. Donc je sors ma tête d'aspiration, hop, je laisse faire. Du coup, c'est lui qui travaille. Voilà, et il est automatique, hein, puisqu'il revient tout seul dans le bloc. Donc ça, c'est génial, on le laisse faire. Et là, mon plat, il est bien sous vide. Donc du coup, alors je peux faire ça aussi, vous voyez. Il n'y a pas de souci, hein, on peut faire ça. Vous voyez, c'est hermétique du coup, hein, donc il n'y a aucun souci, ça ne va pas couler.
Voilà, et là toutes les saveurs vont se mélanger et ça sera super bon, bien bien frais. En tout cas, ouais, ça a l'air très bon, voilà. Donc bien frais, ça fait, voilà, une salade pour midi, on a envie de salade de chaleur, hein, de salade avec ses chaleurs. Donc c'est rapide, c'est express. Les tranches de melon, du coup, après une fois qu'elles seront bien marinées, j'ai plus qu'à les mettre sur une pique, du coup, avec un petit peu de jambon serrano, hein, que j'ai déjà prêt. Donc je vais alterner, du coup, melon, jambon. Et ça fait, voilà, vraiment une petite brochette sympa, très fraîche, vraiment originale. Vous allez pouvoir la servir en apéro ou sur une salade aussi. Voilà, c'est deux recettes toutes simples, mais goûteuses en tout cas. J'espère que ça vous a plu. Ma recette de taboulé, quinoa et brochette, je vais les mettre sur le club du coup et vous les retrouverez. Hein, voilà. Pensez qu'en ce moment, voilà, il y a une animation, c'est du coup l'animation hein, du mois d'août. Sur la boutique, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, donc elle est intéressante, il y a des cadeaux offerts pour tout achat. Donc ça, c'est l'animation du moment. Et puis voilà, en tout cas, hein, bonne journée à tous, bon appétit, et puis à très vite. Bonne journée Lucide, bonne journée Martine, à bientôt.